vous êtes une personne et pas une maladie. Et j'aimerais savoir à quel moment dans votre parcours, par rapport à avant où vous étiez dans le trouble, à quel moment vous vous êtes dit, mais en fait, il y a quelque chose de normal en moi, je suis une personne avec la capacité d'agir sur moi. Est-ce que vous avez un souvenir de quelque chose qui vous avait fait vous dire, ah oui, non, mais je vais changer ou je sais pas? Oui, ben, en fait, comme beaucoup de gens, quand j'ai été hospitalisé il y a longtemps, c'est sûr, on parlait de la maladie de façon pessimiste, donc que je ne travaillerais plus, que je n'aurais pas de vie de famille, que je ne pourrais pas aller à l'école, etc. C'est assez déprimant. Oui, on sent bien. Puis, tu sais, à chaque fois que tu rencontres des intervenants, ben, tu sais, ils te parlent, tu sais, bon, vous avez de la schizophrénie, nanana, vous prenez des médicaments, puis bon. Fait que tu viens, ton cerveau brainwashing, comme on dit en anglais, là. Ouais, puis je m'identifiais, je m'appelle Luc, schizophrène. Ouais. Moi, je dis bonjour, schizophrène. Ouais. Bonjour, schizophrène. Bonjour, schizophrène. Ouais. C'était devenu mon identité, c'est épouvantable. Parce son nom, c'est dingue. Ouais. Parce que, tu sais, quand les gens m'accueillaient, ils ouvraient mon dossier. Bonjour, Luc, vous êtes schizophrène. Ouais. Fait que bonjour, je m'appelle Luc, schizophrène. Ah. Puis un jour, j'ai, comme vous, suivi des formations. Puis il y avait quelqu'un qui donnait une formation. Puis elle expliquait la politique de santé mentale au Québec, on a, comme vous avez en France. Et puis à ce moment-là, la politique elle a comme sous-titre « Je suis une personne, pas de maladie ». Puis quand elle a prononcé ces mots-là, ça a résonné dans ma tête très fort, hein, très fort. Wow! C'est vrai, j'avais oublié que j'étais une personne. J'avais complètement oublié. Quand je me suis mis à mettre mon moi en avant de la maladie, mettre mon moi en valeur, ça a été évidemment un long cheminement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Puis aujourd'hui, ben il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, que je me considère comme un malade. Il y a d'autres journées, non, je suis vraiment une personne. Non, je ne peux pas dire que c'est complètement... Mais vous gardez toujours votre bonne humeur. Ah, ça, je garde ma bonne humeur pareil. C'est extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est pas acquis. Ouais. C'est pas acquis. Non. Et voilà. Mais ce que vous avez dit, c'est que ce qu'on apprend, on ne le perd pas après. Non, ça, c'est... Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Évidemment, les acquis qu'on a, non, on les perd. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on désapprend la maladie, qu'on apprend à jouer avec, après, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de... On n'imagine pas qu'il vienne se mettre pour qu'il y ait une rechute ou qu'il y ait... Une fois qu'on a dénoué le premier sens, ouais. Puis il y a surtout quelque chose que j'ai... Tu vas me dire, si tu penses, ça. Qu'on m'a enseigné. Quand je suis arrivé, j'ai poussé la porte des alcooliques anonymes, puis des narcotiques anonymes pour... comprendre le fonctionnement de l'addiction, puis voir l'entraide entre pairs dans l'addictologie et dans le soutien, dans l'abstinence. Et c'est vraiment, c'est un jour à la fois. Oui. Quand tu es... je pense, toi, ton trouble, tu le gères comment? C'est un jour à la fois. Un jour à la fois aussi. C'est ça, mais tu vois. Ben, j'ai aussi, quand moi, j'ai consommé de la drogue. Mm. J'ai fréquenté une narcotique anonyme. Ouais. Mais tu vois, l'alcool, je peux en avoir, moi, j'ai pas de problème d'alcool. Mm. Je peux prendre une bière, puis c'est fini. Alors, je sais qu'un alcoolique, il voit pas. Ouais. Oui, mais cette notion, puis il faut pas oublier, les fraternités anonymes ont réussi là où beaucoup de thérapies ont échoué. Hein. Puis c'est ça qui m'avait frappé. Quand j'ai lu beaucoup sur la fondation des alcooliques anonymes avec les deux fondateurs. Oui. Puis tu vois, il y en a un qui était un médecin qui préconisait l'enseignement. Oui. Et l'autre qui était un ouvrier de commerce qui préconisait l'attrait. C'est-à-dire, donne l'exemple de ta bonne humeur, de ta joie de vie, puis qui t'a arrêté de boire, puis. Et c'est ce côté-là qui a fait l'attrait d'alcoolique anonyme. Mm. C'est l'attrait d'abord. Mm. Il faut d'abord que les gens aient l'espoir, il faut d'abord que les gens se voient bien,
Et là, après ça, tu peux faire l'enseignement. Là, après ça, c'est plus facile. Mais si tu prends quelqu'un qui n'a pas d'espoir, tu as beau lui donner l'enseignement, que ça, il ne retient rien. De toute façon, l'espoir, c'est un projet de vie. Oui, ça, ça devient un projet de vie. Ouais, ouais. Ce n'est pas, pas au début, mais, au début, mais aujourd'hui, si on n'a pas de projet, on ne peut pas avancer. L'acceptation de la maladie est une phase, à mon avis, importante. J'ai commencé à lire votre livre. Et c'est vrai que quand vous parlez de votre enfance, vous êtes au début un petit garçon normal qui perd son papa. Oui. Hein, soudainement. Donc ça, c'est un choc, vide, un bouleversement, parce que votre maman ne travaillait pas, elle a dû se mettre à travailler. Vous avez été pris en charge par une tante, c'est ça? Quand vous êtes parti en vacances d'été, et vous avez quand même, moi je trouve ça extraordinaire de la part d'un enfant, vous avez quand même mis des mots sur ce qu'on vous avait fait, et il y a eu... l'unité de la famille. Oui, mais en fait, j'étais violée. Ben oui, je ne l'ai pas dit. Et c'est vrai que votre cheminement, on s'est dit, mais quelle force vous avez? Ben, ma maman, à l'époque, elle m'a cru. Oui, c'est ça. Et ça, ça fait toute la différence. Hein? Ouais. Souvent, les enfants sont violés par mon oncle, ma tante, puis... Il dit « Non, non, ça se peut pas. » Le déni de la famille. Il y a le déni. Moi, je n'ai pas eu le déni, donc c'était très aidant. Mais le fait, quand vous avez été en institut, parce que votre maman ne pouvait pas vous garder, je pense que ça a été un déchirement horrible pour vous. Parce que le sens de la famille, vous l'aviez. Oh, le sens de la famille, je crois que vous avez grandi avec... Et vous avez été dépossédé? En fait, on m'a déraciné de mon environnement. Hein. Puis quand tu arrives dans un collège, tu as un orphelinat, tu es perdu. Là, c'est grand, c'est immense. Et toi, tu es petit, c'est ça. J'ai été pensionnat là, 3 années consécutives. Hiver comme été, j'étais pensionnat dans les colonies de vacances. On s'occupait bien de moi, là, mais ça ne vaut pas la famille. Vous preniez des années et la maladie s'annonce? Oui, maladie mentale. Est-ce que ce n'était pas un essoufflement de tout ce que vous aviez vécu auparavant? Est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens un jour? Mais j'ai beaucoup réfléchi. Puis, disons, moi, je viens d'une époque où en psychiatrie, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit d'exprimer. Moi, je ne pouvais pas concevoir. On m'a mis en contention, en isolement. Puis, moi, je ne pouvais pas concevoir que des hommes et des femmes de science puissent être aussi violents. Je ne comprenais pas. Tu sais, mais pour moi, la science, c'est là pour nous aider, pas pour nous violenter. Normalement, oui. Donc pour moi, ça a été un gros choc. Et c'est ça qui vous a... Le fait de vous en sortir, parce que vous avez quand même vécu des épreuves après difficiles, l'alcoolémie, la drogue, etc. C'est ça qui vous a amené petit à petit vers la guérison? Les soins que je ne considérais pas ça scientifique, pour moi, l'isolement, la contention, c'est pas scientifique. Mais en passant, aujourd'hui, c'est démontré par la science que c'est zéro thérapeutique. Là. C'est démontré qu'effectivement, ça ne donne rien. Bref, ça m'a révolté un peu. J'ai voulu comprendre la maladie, comprendre les traitements. Comme je dis souvent, plus on a de savoir, plus on a de pouvoir. C'est vrai. Et là, j'ai eu du pouvoir face à mes médecins. Parce que je pouvais discuter. Il faut que j'apprenne leur langage. Hein. Ouais. Parce qu'eux, ils n'apprennent pas notre langage. C'est vrai. Nous, il faut apprendre leur langage. Donc, j'ai appris leur langage.
Je parlais pendant la conférence des effets iatrogéniques. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est sérieux. Là. Ah, moi, je parle de même avec le. Vous ouvrez l'oreille. Alors là, il écoute, là, parce qu'il est devant quelqu'un qui a le pouvoir, hein, qui a le savoir. C'est ça. Mais qui ne peut pas me dire n'importe quoi, là, puis il ne peut pas me prescrire n'importe quoi. Puis, c'est comme ça que j'ai pu commencer à m'en sortir. Et maintenant, vous êtes juste incarné. Vous êtes une image. Ouais. Hein, ouais. En fait, comme partir des gueules a été mon modèle, beaucoup, parce que c'est une de celles que j'ai beaucoup lu, écouté. Je suis même allé la voir en conférence à Boston. Oui. Puis ça m'a donné le courage et la force de dire, ben, si elle est capable, ben, moi aussi. Tu vois, Luc, et puis tu dis. Que le savoir égale le pouvoir, c'est connu, on dit ce slogan, on répète comme ça, oui. Que le savoir égale le pouvoir, mais c'est une connaissance commune, Philippe Maugiron. Il nous a dit à l'école qu'en France, que le pouvoir venait du savoir, mais que le savoir devait être certifié par un diplôme. Et toi, ton certificat de folie, c'est toi qui l'as créé, c'est ton école. Wow, c'est mon école. C'est l'école de ton cerveau. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ton école créée par toi-même. Et... Oh, je me suis fait un diplôme à la main, avec l'ordinateur. Ouais, du coup, école de la folie. Voilà, je suis diplômé de l'école de la folie. Mais ça fait un effet quand même, parce que on se dit, il se passe un truc là. En fait, il fait quelque chose. Il a souffert, mais là, il est rétabli. Ah, ouais, et puis, il y a une fierté, mince. Oui, il y a une fierté. C'est ça. Non, mais il parlait de sa maladie avec dérision. Ah, mais je le vis comme ça, et je trouve ça très, très bien. Ouais. C'est très déstigmatisant. Excuse-moi, mais quand tu rigoles, que tu fais des blagues et tout, c'est énorme. C'est énorme. Moi, ça fait... On se dit, c'est possible. Non, puis l'humour, c'est un outil de compréhension entre les êtres. Et tu le fais bien. Merci. Mais tu vois, tu as ce statut de père aidant, tu rayonnes à l'échelle internationale, enfin en tout cas dans le monde francophone, et tu as ce diplôme, tu as juste ton diplôme, c'est déjà un beau diplôme, hein. Franchement, mais comment t'expliques que tu es présent avec nous à Lyon? J'ai eu la chance d'écrire des livres. Ouais, c'est ça, oui, voilà. J'ai écrit en 97 Aller-retour au pays de la folie. Oui. Oui. Qui était beaucoup plus critique face à la psychiatrie. Ouais. Et puis, comme je vous dis, la psychiatrie a toujours eu une vision pessimiste. Oui, c'est vrai. Et d'entendre un patient qui se rétablit. Qui poliment ébranle les colonnes du temple. Ben, les gens, moi, c'est ça, en France, ils m'ont hésité. En 2000, je suis venu pour. À Paris, là, il y avait le Congrès international de la réhabilitation psychosociale. Ils m'ont mis sur le. En avant, là, pas en atelier, là, devant tout le monde. Ouais. Puis ça avait ébranlé beaucoup les gens. Puis, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons qui prônent le rétablissement, mais des francophones, il y en a moins. Fait que, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, écrivez, faites des vidéos, il y a un blog, faites-vous connaître. Quelle est la principale qualité requise pour devenir père aidant selon toi? Pour moi, la principale qualité requise, je vais vous dire, c'est l'écoute. Pourquoi l'écoute? Parce que vous savez mieux que moi là, que les intervenants ne nous écoutent pas. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, il faut qu'ils fassent deux notes. J'en ai une autre après toi, bon, t'as 15 minutes, puis bon. Puis, un professionnel. Hyper formé, là, par exemple un doctorat, là, bon, ça n'a pointé personne, mais il y a quelqu'un dans la salle qui a un doctorat. Les gens qui ont un doctorat, mettons, psychologue, là, je prends ça au hasard, neuropsychologue, tiens, au hasard. Okay. Eux, ils n'écoutent pas, ils analysent, parce que c'est ça leur travail.
Il faut qu'ils analysent. Ils sont formés pour ça. Fait qu'ils... Tu comprends, la partie écoute est moins là. Quand dans ta journée, tu rencontres plusieurs gens hyper formés, ben ces gens-là, ils analysent, ils t'écoutent pas. Ce qui fait que moi, quand je vais sur les unités de soins, les gens, j'ai besoin de parler. Je m'assis, les gens me parlent pendant une heure consécutive, jusqu'à temps que la ballonne soit dessoufflée. Ouais. Puis ils me disent, « Ah, t'es le meilleur intervenant que j'ai vu à date. » J'ai pas ouvert la bouche. Parce que les gens ont besoin de s'exprimer. C'est sûr qu'à un moment donné, quand les gens font parler, il faut les cadrer pour qu'ils avancent dans leur traitement. Mais c'est ça. Parce que des fois, au début, c'est sûr, les gens veulent parler, mais le professionnel, je vous disais, il est moins formé à écouter. Ce qui fait que c'est dans ce sens-là. Attends, okay. Mais là, tu nous dis une qualité comme si elle était facile à avoir. Alors, non, dis, c'est dur. L'écoute, c'est facile. Ben, en fait, t'as juste à te taire et écouter. Ben, en fait, on l'éprouve un peu sur nos lieux de travail, dans nos expériences et tout. Mais écoutez, c'est fatigant. C'est fatigant, je tiens à souligner pour l'interview. Mais c'est vrai que c'est une qualité qui... Oui, je suis complètement d'accord avec... Enfin, c'est celle que tu mets en avant. Et je suis d'accord, ouais, je suis aussi d'accord, carrément. Mais... je ne voulais pas que ce soit perçu comme une qualité qui était facile, quelque chose qui était facile. Non, c'est pas à faire. Facile, non. Ouais. Tu es d'accord avec moi. On a une bouche et deux oreilles. Ça veut dire qu'on doit attendre plus qu'on parle. Donc, non, c'est pas facile. Puis, parce qu'il faut retenir aussi, même si on écoute, il faut retenir ce que la personne dit. Là, parce que dans son message, souvent, ça peut défaire le nœud. Ou alors tu peux trouver les choses pertinentes à lui dire, ce qui peut lui manquer comme info. Écoute. Cool. Et après ça, quand tu fais un plan d'action avec la personne, ben, quand tu as bien écouté, ben, ça va, c'est plus facile. Oui, c'est plus cohérent. Ouais. Donc on fait les oreilles de l'écoute pour Luc. Voilà. Merci, Luc. Merci beaucoup. Merci de t'avoir.